Hello ladies and gentlemen, c'est Adwan Gaming et aujourd'hui on se retrouve avec une image buggée de mon pseudo Steam. Bref, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une petite vidéo sur Counter-Strike Global Offensive qui est proposée par Steam depuis 3 jours. Et il coûte 7€ et j'ai putain envie de me l'acheter, mais je sais pas, parce que c'est pas le genre de jeu auquel je geekerais tout le temps. Et en me disant que vous avez déjà vu des vidéos sur les maps traditionnelles qui sont train, tout le bordel et tout ça. J'ai même des cartes que je connais pas encore, des nouvelles cartes que j'ai vues tout à l'heure. C'était là, je crois bien. Non, c'était pas là, j'avais vu des... Ah, c'était un match à mort. En bref, non, je sais plus ce que c'était, bref. Et donc j'ai téléchargé 3 cartes qui ressemblent beaucoup aux cartes que, enfin, moi j'aimais beaucoup sur Counter-Strike Source. Une qui ressemble un peu à celle-là. Donc on va tester. Celle-là, il y a une partie disponible. D'accord, ok. Aucune partie disponible, on va lancer celle-là. Écoutez. Attendez, par contre. Elle a mort joué quoi celle-là. Bon bah écoutez, on va faire celle-là ensemble. Tous les modes, oui, bah écoute. Oui. Envoie, moi je suis partant pour tout. Voilà une petite vidéo détente pour ceux qui cherchent du gros scoring de malade. Peut-être passer votre chemin. Je me suis découvert un petit talent, comme le dit le AWP. Je suis pas mauvais. Je me débrouille plutôt bien. La carte, j'y ai joué tout à l'heure, tranquillement. Et ce jeu c'est incroyable. Alors, je me suis fait foutre sur la gueule par mes potes parce que voilà, ils avaient pas du tout Call of. Oula. Non, va des rétro Call of qui aime pas du tout Counter. Et mais c'est pour moi c'est le bonheur du monde quoi, c'est la base de tout. Faut que je me remette dans le bain un petit coup. Et pour moi c'est le bonheur quoi, la source était énorme, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Moi j'étais beaucoup plus petit donc mais je m'amusais tout autant. Et Global Offensive quoi. Quand il est sorti, je me suis méfié, je me suis dit oula, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, une refonte graphique entièrement du moteur source, tout ça. Et ben non, pas tellement, je pense que c'est basé sur le moteur source. Attends, oui c'est le moteur source, je dis pas de bêtises. Oui je crois que c'est le moteur source. Mais c'est Counter-Strike, c'est la même chose, c'est juste qu'il est un tout petit peu plus beau quoi. Évidemment le gameplay est différent, le... Par contre je suis... Mais genre, attends. Voilà. Voilà, lui. Donc ça fait un de moins. Comme ça, on va juste prendre un petit flingue au cas où. Genre un petit... 5-7. Quoi? Ok, alors lui joue très bien. Lui. Alors lui, mon gars. Viens là, quand même. Viens. Moi je fais le mec tout ça mais... Je vais faire des gagnants. Oh mais genre. Allez dégage. Oh bien il y a longtemps lui. Voilà. Et en fait... Un petit coup de molette que je mets en fait là pour En fait c'est quand tu vises. Enfin quand vous visez. Vous tirez. En fait le sniper revise automatiquement. Ce qui peut être gênant quand tu es en pleine action. Bon, je sais pas vous voyez vous tutoyez. Bref c'est pas grave. Et donc ça en fait je l'ai appris. Bon je l'avais déjà vu sur quelques vidéos de compète. Mais en fait c'est un youtubeur que je suis qui gentiment qui s'appelle Paganman. Qui joue très bien à Counter. Enfin montre dans... Oh putain. Adieu. Montre dans ses vidéos ses petites techniques. Et en fait c'est bien fait en pratique. Et c'est marrant parce qu'on s'inspire vachement quand on joue de ce qu'on voit sur les... D'accord mais j'ai fait littéralement dérouiller la gueule. On s'inspire beaucoup de ce qu'on voit dans les vidéos pour jouer après. Et les techniques sur les travails un peu ça rentre. Et c'est super jouissif. Comme tout à l'heure j'ai joué au sniper, j'avais un peu de mal. Puis je me suis mis un peu dans le bain et finalement ça va carrément mieux.
J'essaierai de faire autre chose, un petit peu de fusil à pompe après. On va essayer de faire un petit peu de scoring. C'est quelque chose de sympa aussi. J'aurais pas mort. Oh genre, putain, je me suis fait dégager quoi, le truc de ouf. Casse-toi. Mais t'es sérieux? Il nous l'a volé, le maître. Putain mais. Putain j'arrive plus. Oh est-ce que j'ai mis à lui? Oh je l'ai mise. Oh la vache quoi. Je pense qu'on l'aura mis quoi. Oh, ce qu'il m'a mis, je me suis envolé quoi. Elle est pas mal cette carte. C'est dommage que les autres aient pas de partie disponible. Je pense que les autres aient pas de partie disponible. Oh bordel. Mais à mon avis, si t'invites des potes, parce que ça va pas être des cartes qui sont très très jouées à part les cartes classiques du jeu quoi. Je pense qu'il va avoir une bonne communauté quand même sur CS:GO. Oh putain ce qu'il a mis quoi. Mais j'ai pas compris par contre, ils jouent tous à une autre arme que la WP quoi, la couille. Un petit desert, ça va être posé quoi. Oh putain mais fait défoncer, ouais, je prends une autre arme que WP, j'y arrive trop peu quoi. Un petit coup de Nova. Non là voilà. Bonjour. Oh. Je peux pas faire ça. Ouais. Mais merde, merde. Oh la couille quoi. N'importe quoi. Merci. Oh, je suis mise quand même. Le pire c'est que je l'ai entendu quoi avec mon casque. Et mon corsaire vu que je suis en 7. Putain. Vu que je suis en 7 points la spatialisation est vraiment, vraiment bonne heureusement. T'es sérieux toi? Oh putain ce qui me met quoi. Je parle mal. Je vais mettre on se détend sur counter mais c'est plus que pas de la détente quoi. Oh le bâtard, putain il était derrière moi, je me disais j'entendais un truc derrière moi. Tu dégages. La musique derrière qui passait trop bon. Pas grave, lâche. Oh putain bien joué le mec. Ce qui m'a mis quoi. Ah oh, ça lui a pas trop volé le crâne le truc quoi. N'importe quoi. Adieu. C'est de se débrouiller pour aimant. Ça c'est fait.
Bon, ça va, j'arrive pas trop, je me débrouille pas trop mal. Ah! Putain, le mec! Ce qui me met. Ah oui, voilà! Parce que maintenant, il y a beaucoup. C'est bizarre, je zappe ça, il y a beaucoup d'anticipation de mouvement dans Counter-Strike. Faut essayer de se mettre à la place de l'ennemi et essayer de se dire où est-ce qu'il. Où est-ce qu'il. Allez! Si je serais l'ennemi, où est-ce que je serais allé? Voilà, c'est ça la bonne phrase. C'est bizarre, j'ai du mal à parler. Et généralement, ça paye plutôt bien. C'est dégueulasse. On va essayer de changer un peu d'arme, genre on va prendre. Allez. Petit FAMAS, allez. Le bordel, le symbole français, mon cul, oui, il fait trop pas mal. Attends, t'es sérieux? C'est moi qui sais pas tirer? Non, c'est moi qui sais pas tirer. Oh, bien joué! Ah, je pense que je vais rester. Bon, ça, c'est fait. Tu dégages. Oh, bien joué! Putain, les mecs sont bons! Il vient pas. Je vais partir le chercher. Ouh! Genre, ah ouais, d'accord, on s'est fait. Ah, d'accord. Ah, on peut tuer un mec en même temps, d'accord, je pensais pas. Je pensais que c'était par système de touche plus qu'autre chose. Bim! Qu'est-ce qu'il y a maintenant?